Le point NOP par Nancy Weil pour Café Tricot Studio en 3 mailles, en 4 mailles, en 5 mailles. Je réalise une petite nappe de 3 mailles qui est une petite boule. Je tricote donc dans une maille. Je la tricote une fois. Je fais un jeté et je la tricote une deuxième fois, ce qui fait 3 brins dans la maille. Je tricote les 3 mailles obtenues à l'envers. Je tourne de nouveau le tricot sur l'endroit. Je tricote encore 3 mailles à l'endroit. Je tourne une dernière fois sur l'envers pour tricoter les 3 mailles de la nappe à l'envers et sur l'endroit maintenant. Je vais faire un surjet double avec ces 3 mailles. Je glisse la première maille. Je tricote les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Puis je rabats la maille glissée par-dessus. Ma nappe est terminée et je reprends les mailles du rang. Sur le rang retour tricoté à l'envers, je tricote la maille de la nappe à l'envers, mais en prenant le brin arrière. C'est-à-dire que je la tricote torse à l'envers. Et je continue le rang. Je veux réaliser maintenant une nappe de 4 mailles. Je vais donc tricoter 4 fois cette maille, une fois par le brin avant, une seconde fois par le brin arrière, par le brin avant, puis de nouveau par le brin arrière. Je tourne sur l'envers, je tricote ces 4 mailles à l'envers. Je tourne de nouveau sur l'endroit. Je tricote de nouveau ces 4 mailles à l'endroit. Je tourne sur l'arrière. Je tricote une dernière fois ces 4 mailles à l'envers. Je retourne sur l'endroit. Et là, je tricote les 2 premières mailles de la nappe ensemble à l'endroit en les prenant torse. Je tricote ensemble les 2 dernières mailles de la nappe en les tricotant ensemble normalement. Puis je rabats la deuxième sur la première maille et la nappe est terminée. Sur l'envers, j'arrive sur la maille de la nappe et je la tricote à l'envers, mais je la prends torse. Et je termine mon rang à l'envers. Je vais maintenant tricoter une grosse nappe de 5 mailles. Dans cette maille ici, je vais la tricoter 5 fois, une fois, un jeté, une seconde fois, un jeté et une dernière fois. J'ai donc 5 brins sur mon aiguille.
Je tourne mon travail et je tricote 5 mailles en vert sur ces 5 brins. 1, 2, 3, 4, 5. Je retourne mon travail à l'endroit. Je tricote 5 mailles en droit. 1, 2, 5. Je tourne encore sur l'envers. Je tricote encore 5 mailles en vert. Je retourne. Alors, je commence les diminutions sur ce rang-là. Je tricote les deux premières mailles ensemble à l'endroit torse, c'est-à-dire en prenant les deux brins arrière des mailles. Je tricote la maille du milieu, 2, et je tricote les deux dernières mailles ensemble à l'endroit, comme ceci. Il me reste donc 3 mailles sur ma nappe. Je tourne mon travail sur l'envers pour la dernière fois. Et je tricote ces 3 mailles à l'envers. Je retourne mon travail sur l'endroit. Et je glisse la maille obtenue sur mon aiguille droite. Je resserre. Et je reprends le rang en cours. Sur le rang retour, que je tricote à l'envers, quand j'arrive sur la maille de la nappe, je la tricote à l'envers, mais torse, c'est-à-dire que j'attrape le brin arrière de la maille pour la tricoter. De cette façon. Et je termine mon rang tranquillement. Ici, la petite nappe de 3 mailles. Là, la grosse nappe de 5 mailles. Et une nappe moyenne sur 4 mailles.